Joseph Michel Martelly, qui n'est pas inculpé dans le dossier. Et juge là, nous songeait, il a été rencontré avec Martelly. Nous songeait que Aristide fait un discours, dit c'est mettre chat là, manger chat là, même moun faut saisir. Nous songeait que gagné on est négocié là encore. Ancien magistrat. Wow. Qui te dit que c'est parine qui tue fiel? Eh bien, il se trouve que, mesdames et messieurs, Martelly pas gagné pour le vrai. Dans le crime selon ordonnance juge. Qui ça Martelly du juge là? Important. Et là, on va faire des considérations pour nous, pour nous entendre, pour nous comprendre. Et Martelly prête serment devant le juge là, parce que c'est la coutume, c'est la règle, avant de parler, il faut prêter serment. Pour le dire que tout ça le bras dit, c'est la vérité et rien que la vérité. Attendu conditionné sur les événements, le témoin Joseph Michel Martelly a déclaré ce qui suit. Mais ça Martelly dit. Martelly dit, de façon précise, je n'ai pas gagné information sur ce qui était passé avec le président Jovenel Moïse. Toutefois, je suis capable de partager ce que je apprends qui t'a passé avec le président Jovenel Moïse. Non. Qui t'a passé dans la zone avec le président Jovenel Moïse. Je suis arrivé à moi vers minuit 20 minutes. Nuit ça, Miami, que je suis. Je recevais un appel de 11 amis qui habitaient Pèlerin 5. Zami a expliqué ce qui a passé parce que lui-même, tout, il n'a pas qu'à déplacer pour le connaître, ça a gagné. Il rapporte depuis plus passé une heure et demie, il a tiré dans la zone du président. Je senti panique. Et affolement dans voix, monsieur. Moi, courir, raccrocher le téléphone. OK? Pour mal dire plus d'informations. C'est Martelly qui a parlé avec le juge. Premier coup de fil, Martelly dit le fin. Il est Laurent Lamotte. Nous connaissons qu'il n'y a pas de amis. Qui c'était. Grand conseiller président Jovenel Moïse. Nous ne connaissons ça officiellement, mais Martelly dit nous ça là. Les femmes qu'on n'est pas au courant de rien, il a fait plusieurs appels, il a pris le chef de police là, qui était là. Pendant qu'il a fait appel ça, moi-même, moi j'ai décidé de le chef de sécurité président, qui c'est Dimitri. Je me posais la question, Martelly qui a parlé. De ça qui a passé avec le président, lui répond moi. Tendez bien, mesdames et messieurs. Lui la Kaili. Dimitri Rau, dans Peggyville. Lui a un problème logistique. Avec gros français, bah ouais. Dimitri Rau, qui est en charge de sécurité président, le Martelly il dit, relève Dimitri Rau. Dimitri Rau dit, lui a un problème logistique. On a mis ça tout à l'heure. Il faut qu'on ait déplacé. Moi, insister pour le faire sale qu'on est pour monter qu'il y ait président. L'isime, le chauffeur est presque arrivé dans environ 5 à 10 minutes plus tard. Moi, le commandant Dimitri encore. L'isime, le chauffeur en bas mon. En bas mon, il a privé tout à l'heure. Donc, Dimitri est là. L'abtan chauffeur, vin prenne. Pourquoi j'aime que Dimitri est là, comme si là, oui, là. Chargez tous les garçons à sécuriser. Là, quand Dimitri est là, chargez les garçons. Dimitri est là, obligé de ton chauffeur vini pour le déplacer pour la carrière président. Entre temps, la mode joue un chef police là, que le patron joue. Et Martelly, il n'y a pas là, juge là.
qui explique lui dans zone pèlerin 1 pèlerin 2 bagayou difficile. Léon Charles qui dit ça. T'assemblée se dit hier force étrangère qui a intervenu. C'est ça le, c'est ça Léon Charles dit Martin. Il dit c'est dit hier assemblée qui dans zone là. Pas oublier que n'est côté qu'un porte voix dans le cap dit hier operation. Martin dit moi relé encore commandant USGPN en parlant de Dimitri là. Qui explique me fait criver bon côté chef police là. Situation difficile pour moi en pile non. Situation difficile pour moi reprendre moule, Martin dit qu'a parler oui. Pas gain monter, pas gain descendre, nèg yo prend contrôle zone là, t'assemblé nèg yo, t'a gagné grenade à fragmentation. Bon, comment Dimitri ira fait qu'on est que monsieur gain grenade à fragmentation. Bon, est-ce que tu es tiré sous Dimitri? Est-ce que le temps des bruits grenadio? Est-ce que dans l'enquête de CPJ, il y a eu une grenade à fragmentation? Je ne sais pas, je suis en train de poser des questions. Mais Dimitri, il dit, président, je vais parler de Martelly, il n'y a pas qu'à approcher. Parce que monsieur, yo, en haut pas monté, en bas pas descendre. Il n'y a pas de contrôle toute zone. Il semble qu'il y a une grenade à fragmentation. Dimitri, Martelly dit après ça. Après ça, monsieur dit la mort vini la Kaili, Miami. Ancien ministre, on s'assassi. Relem la vini la Kaili, moi. Appelle moi jouen qui sorti Haïti 45 minutes après comme ça. C'est comme de UHPN qui relem pour le dim. Président moui. Et que li sous place. Après 45 minutes, oui. Monsieur dit président, en parlant de Martelly. Que Jovenel mouri, moi sous place. Martelly continue pour le dire juge là. Peut-être, moi recevoir l'autre appel qui t'a expliqué qui pas te connaît en yé. Peut-être, inattend après prochain appel moi, joigne, qui sorti Haïti, c'était commandant UHPN qui te relèm. Pour le dire, li kembe Colombien yo, zone de yé Kazen Pétionville là, li t'a essayé joigne concours la police, moi répond li moi dit, fait travail. Et puis, la mode vini la kaye moi. On s'assassi à l'ancien président chambre député à Gary Bodo. Tout le monde sa yo te Miami. Yo déclaré yo te la kaye moi. Moi habite dans un appartement, deux pièces. Moi descend dans l'orbia, moi recevoir tout le monde. Donc, ma télé tout dit li men li pa dans gros kaye. C'est dans deux pièces kaye que le rete Miami. C'est pas ça? J'ai dit gros appartement, deux pièces. Mon cap dit que je suis acheté château, yo, je démenti. Pendant que je discute avec yo, moi je vois un appel qui sorti à Haïti, c'est le premier ministre qui était là, qui est Claude Joseph. Ah, Claude Joseph, c'est le Martelly. Claude Joseph, le Martelly, il dit, d'après ça, Martelly dit, il dit tout bagage sous contrôle dans le pays. Moi, raccroché. Yo allez la caillou, après nous te fin parler. Donc Claude, ou reprend pour Martelly, même parole que le te dit, l'elle te cover, pour le dire que, moi j'ai contrôle situation, hein, pays a sous contrôle. Et Martelly rapporte ça. Il dit après ça, monsieur, prend la caillou, yo quitte le. Moi te gagne un seul mal gorge qui te prend, moi fait deux semaines, moi pas parler avec personne. Moi, j'étais tête moins dans l'isolement. Je ne parle pas de bosson, qui presque bébé. Hein? Souvent, c'est Jean-Marc. On a fait deux semaines, on ne va pas parler. On a perdu votre vocal. Oui. Hein? Comment est-ce que tu as fait fort? Comme monsieur qu'on chantait, comment est-ce que tu as fait à la douche là, fontier. Essayez. On prend un refrain dans la musique là. Parce que deux semaines, on ne va pas parler. C'est ce qui fait bébé. En tout cas, Martelly dit, il a un problème dans la gorge. Il ne va pas parler. Et monsieur dit, dans l'audition encore, Martelly dit que le 6 juillet 2021, il quittait la Cali vers 11h du matin pour retourner aux environs de minuit. Et dit jour ça, il doit faire tournage au vidéoclip pour suite Mickey dans South West Fort Lauderdale.
m'a-t-il déclaré que sur les informations qui lui ont été communiquées par son ami Mario Brutus, mon qui t'apprête les messieurs de Pélérin, hein? C'est Mario Brutus. Monsieur dit, Mario Brutus dit, il dit, il a fait feu en direction de Kai président, Jovenel Moïse. Matéli dit encore que Matéli démenti information qui te fait croire que c'est lui-même qui te bat Jovenel Moïse, chef sécurité. Il te dit c'est menti. Il dit jamais. Mon qui t'a marché dit Matéli que tu mets Dimitri Ra comme chef sécurité dans Paléo. Matéli dit c'est menti. Matéli précise ben juge là. Que il était proposé effectivement Dimitri Ra pour intégrer la police nationale d'Haïti parce que monsieur son officier qui te recevoir une formation solide dans le pays Équateur. Matéli déclaré encore pour le dire que ancien premier ministre Claude Joseph te relé vers 7h du matin pour dire que tout est sous contrôle. Matéli avançait que par une telle déclaration, le Claude fait déclaration ça, hein? L'ex-premier ministre Claude Joseph te voulait gain support lui et à lui, je dis lui-même, il parle il dit Claude Joseph te relé pour dire que gain contre situation, hein? Claude Joseph te demandé support et lui-même il te félicite Claude pour l'intervention qu'il a fait dans la chaîne CNN. Il n'était pas de bravo pour Claude. Non. Prise de position, Claude. Il te fait dans CNN. Parce que il y a que Claude, monsieur a une grosse capacité de communication. Monsieur est un bon communicateur. Monsieur parle plusieurs langues. Donc, monsieur, t'es frappé très fort. Attendu, conditionné sur ses relations. Le voix de monsieur qui relationne avec Joseph Félix Badio. Mesdames et messieurs, partagez live là. Pour cela le pire possible. Martelly déclaré il était une relation entre président non. Il était entre président et parlementaire non, ça passe là. Non, il m'a dit que relation il était avec John Joel Joseph, voilà. C'est pas badjou. C'est des relations qu'il était avec John Joel Joseph. C'est relation président et parlementaire de l'opposition. Mesdames et messieurs, les mains des messieurs, que relation ont été gagnées avec Joseph Vincent, James Solage, Duvernay Capador, Romero Medina, Ashka Joseph Pierre, Joseph Michel Martelly, répond pour le dire, il n'y a pas aucun rapport avec Mounzaïo. Je posais la question toujours sur relation avec Emmanuel Sanon et Joseph Félix Badio. Martelly déclaré. Il est presque sûr que le pas jamais rencontré Mounsayo. Mais en tant que musicien et homme d'État, ça arrive souvent pour prendre photo avec un paquet de monde qui souhaitait immortaliser un certain de moments avec lui. Donc, je dis pas là, je dis lui-même, comme musicien, n'est pas mon café photo avec lui. Mais Mounsayo n'est pas jamais rencontré. Monsieur Prudent. Parce que ça arrivé que le pas j'ai rencontré yo mais non bal non activité et puis on te fait photo à cli Matéli très prudent. Matéli monsieur pas conclu des positions là et avec un gros espoir que enquête là pour l'aboutir et que vrai auteur crime là pour l'identifier et puni conformément à la loi. Mesdames et messieurs, et faut me prendre de l'eau, c'est bah en pile. Donc sous Martelly il y a faut une considération rapide. N'a pas rappelé que dans le rapport de la DCPJ, même la DCPJ pas t'a mené une enquête sur Ariel, seulement il y a eu une conversation entre Ariel avec Badjo, même Jean Badjo t'a conversé avec un pile monde. D'ailleurs, même nous, Ariel, partenaire, rapport de ce pays, on met un numéro de téléphone, tout le monde. C'est où? C'est juge la calgade pour lui, enquêter pour lui. Qui a-t-il un tel numéro? Eh bien, même Jean-Paul Ariel Henry, il
Le CPJ va t'amener une enquête sous Martelly. Le nom de Martelly ne figure pas sur dans l'enquête. C'est un bagage important pour nous connaître, mesdames et messieurs. Nous Martelly pas dans l'enquête là. Donc Martelly, monsieur témoigné, monsieur expliqué que le pat en Haïti, monsieur dit, il n'y a pas jamais mettre Dimitri dans le palais national, comme sécurité journal. Monsieur dit, c'est la caille de Miami. Monsieur dit, c'est 11 ans qui apprennent que ça arrivait. Je dis, clôturer pour le dire, tout le bagage sous contrôle, côté besoin, support. Li. Bon, il n'y a pas dit tout s'il te promet code support. Là. Et Martelly finit pour le dire que, il souhaitait que toute lumière faite sous le crime ça. Mais n'a pas noté, et ça c'est important pour nous. Comment pour yon rele chef sécurité ou président Dimitri Ra pour dire tirer en direction qu'un président pour lui répondre pour lui dire quelques problèmes logistiques? Je ne comprends pas. Est-ce que vous comprenez vous-même? Bah, je ne suis pas en train d'accuser personne. Mais même j'ai avec moi, je trouve que c'est un petit peu curieux. Comment pour chef sécurité ton président, président en danger, pour dire président, ou à ton chauffeur, ou par une grande machine, garde du quoi qu'à boire sécurité la caouille, ou à une grande machine, si tu as besoin de la ménage ou, juste soir, pas t'abraler, non mais qu'on est, si tu as un boubout, ou de gros ménage. Souvage madame. Nakaï là. Qui t'a réel ou nan le ça. Pour tout le gros tête fait mal. Sous ta abdou apten chauffeur. La mbazem sou. Déclaration. Ma ari. Et ma te lire. Nan me konne. Est-ce qu'on t'abdi. Ou apten chauffeur. Naturellement c'est pas même bagay. Parce que. Gen tiré. Ou t'a dit. Côté ménage, on va rien tirer. Mais écoutez, comme chef sécurité du palais national, vous avez la responsabilité de mourir pour le président. Le premier job vous gagnez comme responsable de sécurité, c'est pour mourir. Oui, c'est ça, le job. Il faut pas vivre pour le président, c'est pour ça qu'on paye. Donc, l'on pas aller. Vous prenez 30 minutes pour arriver. Le président est mort. Et ça, c'est une faute grave. Si c'est vrai, ça va te le dire, parce que je me bats là. Si c'est vrai. Donc, c'est vraiment grave pour que on ait à passer sécurité au président hein, pour décider pour dire, ou à faire un chauffeur, et là, il veut qu'on lui dise, ou pas qu'à monter, ou pas qu'à descendre, parce que ça veut dire qu'il y a une grenade à fragmentation. Non. Problème.